Something lit a fire in my soul. Voyage, bon voyage. Ah, got something that's gonna take me somewhere. Take me up into the stratosphere.
Dog in my town, get up or stay down. Trouble soon come around, this is the playground. Grinding for them pounds, hope it don't come crumbling down. I've been on the front line, trying to get it in. Came from a place most never win. This is real life, ain't no editing. What I've been through is unsettling. And with a few guys that are on anything, come through your block, take everything. This is England, the kingdom, the world is ours. Doggy, doggy, my town, get up and stay down. Trouble soon come around, this is the playground. Grinding for them pounds, hope it don't come crumbling down. Already told them that the world is ours. Looking 30 now, motive isn't earning pounds. Man are gonna turn it down. Got the game cornered off, these man are just learning how. Boy, you talk a lot, on a real, who's talking now? New day and I'm calling shots, gal them I ain't calling back. Mind up in a torture rack, holding all my trauma back. Music is the remedy, ain't nothing you're telling me. Doggy, doggy, my sound, you ain't up in my pedigree, nah. Doggy, doggy, my town, get up or stay down. Trouble soon come around, this is the playground. Grinding for them pounds. Salut à toutes et à tous, quel plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Nous sommes bien installés dans notre cabine, on espère que chez vous aussi vous êtes bien installés. Au commentaire, le Diego Maradona de Tours, Omar Da Fonseca et moi-même, Benjamin Da Silva, le Claudio Caniggia de Paris. Et donc troisième et dernier rendez-vous de groupe dans ce tour qui s'annonce sous les meilleurs auspices. Pour l'instant, la priorité, c'est de finir cette phase de groupe le mieux possible, de proposer un football inspirant pour gagner en confiance et consolider les fondamentaux avant le début de saison. Le centre ne donne rien, intercepté sans problème. Et ce corner est dégagé par la défense. Et toujours la progression dans le camp de l'adversaire. Il y a danger parce que là il y a un centre. Quelle belle occasion gâchée. Le ballon file en 6 mètres.
bonne lecture de la trajectoire, le ballon est récupéré. C'est toujours un peu difficile de savoir comment va se passer un match, mais on risque pas grand chose franchement en annonçant une grande rencontre de sa part. Avec son doublé. Ouh, le poteau s'interpose sur cette tentative. La balle sort et cette action s'arrête à 10 cm du bonheur. Voilà, changement donc. Pelé avec un peu d'espace maintenant. Un bon arrêt du gardien. Le corner. Le geste est raté. L'action n'est donc pas terminée. Et le ballon est centré. Et c'est capté. Là, sans trop de problèmes. Progression dans la moitié adverse. Ah voilà, il suffit de le dire et finalement derrière le ballon est perdu. Et peut-être un bon contre à négocier là. Ah, et dans les tribunes on attend un tir. Ah ouais, quel beau geste défensif, excellent timing. Fait ça sans faute. Et pourquoi pas une occasion à venir là. Ah non, finalement le ballon est perdu. Sissoko. Sidibé. Bonne intervention, la passe est interceptée. Oh, la faute et attention, parce que c'est le dernier défenseur. Que va dire l'arbitre? Et oui, cette faute du dernier défenseur vient anéantir une occasion nette, c'est le règlement. Et la sanction, c'est un rouge parfaitement mérité. Ah, c'est pas bien tiré, ça va droit dans le mur. Le danger est éloigné. Ouais, une bonne charge. Ah non, hors-jeu signalé. Ah, la passe est complètement loupée. Avec Camara. Ah, ils se font subtiliser le ballon. Il est en bonne position, intervention du gardien. Un corner qui est bien ajusté. Oui, le bon sauvetage.
Allez, le crochet pour aller provoquer à l'intérieur. Et c'est au fond, le premier but de la rencontre, largement mérité après une nette domination. Et voilà encore une fois, tout le but dans le centre qui est une offrande pour son partenaire. Tout le monde regarde le ballon et on oublie l'attaquant. Ensuite, mauvais marquage et la défense ne peut pas intervenir. Le ballon finit sur la tête d'un attaquant qui le renvoie au fond de filet. Ah, le match reprend 1-0 dans cette partie donc. Johan. Interception réussie, ballon récupéré. Et c'est un ballon qui pourrait être vraiment intéressant. Ah, c'était bien parti, mais ce ballon est perdu finalement. Et c'est bien donné dans la profondeur. Énorme occasion manquée et donc les adversaires restent à une petite longueur derrière. Cette action aurait pu les mettre à l'abri. Attention au regret en fin de match. Ah non, il faut s'appliquer sur les transmissions. Johan. Vers la surface, le centre part bien, c'est bien joué. Ballon arrêté, mano tasso, incroyable sauvetage. Parce que la tête était très bien placée, mais le gardien est allé la chercher. Le corner. Superbe parade, extraordinaire. Oui, tout le monde s'attendait au but sur cette tête. Ah, le ballon est dévié, il sort, c'est donc un corner. Ah, il y a toujours le feu, il faut se méfier, faire attention. Mais hors jeu, le drapeau qui se lève. Et oui, logique, ce corner est bêtement gâché. Ce ballon est récupéré. La frappe passe vraiment très loin. Frapper de là, est-ce que c'était vraiment la bonne décision? On ne se demande pas. C'est sûr même. Dans un angle fermé, c'était une très mauvaise inspiration. Oh, attention à ce ballon. Magnifique intervention. Ballon pour une frappe, super barré. Ah, le corner bien tiré. Et attention à ce centre. En bonne position. Oh oui, ce but avec cette reprise de volée. Il y a tout, l'équilibre, l'adresse, la spontanéité. Voilà un classique qu'on apprécie. Voilà une action qu'on revoit avec plaisir, avec ce centre parfaitement exécuté qui amène bien le danger dans l'axe. Et à la conclusion, un ballon à jouer assez proche de la cage, il ne manque qu'un coup de soufflage pour marquer le but. Et ça fait donc 2-0 au tableau d'affichage. Et l'attaque se poursuit, c'est une bonne séquence de jeu. La différence est faite.
Ah, il est venu aider son coéquipier. Bien joué, danger écarté, ballon récupéré. La passe est mal assurée, c'est perdu. Ah, la perte de balle. Ouais, la bonne ouverture, magnifique. Et le tir, attention! Et le duel tourne à l'avantage du gardien. Oui, c'est bien mis en opposition, ce qui a permis de bien boucher les angles des frappes. Le corner. C'est pour le gardien, sans problème. Excellente couverture de balle. Ah, le pressing est efficace là. C'est contré sans problème. Et voilà un centre bien travaillé vers la surface. Ballon rendu à l'adversaire. Et voilà, cette action se finit de manière assez inoffensive avec un ballon capté sans trop de problèmes. Regrettable, parce qu'à cette distance, ça doit faire but. Et nous aurons droit à 2 minutes de temps additionnel à jouer. Interception et récupération du ballon. Bon travail au pressing pour récupérer le ballon. Le ballon dans la profondeur. Et encore un troisième but d'avance, sans doute définitif pour assommer cette rencontre. Et donc on va en rester là, c'est la fin de la première période. Et voilà le coup d'envoi de cette deuxième période qui est donnée à l'instant. Allez, il faut essayer d'aller provoquer la défense. Attention à ce ballon qui traîne. Et allez, et encore un but. Quelle puissance offensive. 4 buts d'avance et encore pas mal de temps à jouer. On le revoit sur ces images, ce centre départ bien appliqué qui surprend la défense. Un bon centre, c'est déjà la moitié d'un but. Et voilà le cabezazo, la tête qui vient conclure un mouvement très intéressant et on voyait le ballon dans le but. Ah, le score est donc de 4 buts à 0. Ouais, bonne anticipation, c'est bien défendu. Et voilà, c'est une bonne progression vers le but adverse. Ah voilà, ici. Ah, il a faute, l'arbitre intervient. Et attention, parce que le coup franc est bien placé. Coup franc sans application, et donc le ballon passe très loin du cadre. Il y avait mieux à faire sur ce coup franc. Ah, voilà une annonce qui va enfin mettre un terme aux rumeurs. Son transfert est confirmé officiellement. Oh, il y a danger là, attention! Énorme parade du gardien, incroyable! Oui, en plus, si près de la cage, c'est un facilitateur des rêves! Le corner. Goal! Et encore un but
dans ce match hallucinant. C'est plus une défaite, c'est une déroute. Revoyons ce corner, c'est très bien tiré parce que le ballon est envoyé dans une zone dangereuse. Et pour finir, la conclusion de la tête. Du début à la fin, c'est une action magnifique. Cette démonstration, c'est aussi grâce au travail de leur coach. Il a l'air ravi d'ailleurs. Et c'est une manita, ça fait maintenant 5 buts à rien. Et la balle change de camp. Vélé, Sangaré. Grosse pression, ballon perdu. Il y a une bonne transition en attaque à négocier. Jaillissement très haut, le ballon est récupéré. Et du mouvement pour aller porter le danger. Poteau, ce n'est pas fini. Et finalement, pas de danger. Ce n'est pas passé loin, quelques centimètres à peine. Vamos! Ah mais regardez, peut-être une nouvelle occasion là. Ah, le bon réflexe là. Olé, belle technique là. Un ballon bien travaillé pour ce centre. Voilà un bon geste défensif pour éloigner le danger. Et nous voilà maintenant dans la dernière demi-heure de jeu. Dépossédé du ballon. Allez, pourquoi pas un tir ? Et oui, c'est dedans ! Voilà le but du hat-trick ! C'est fait ! Formidable performance ! Et quel moment inoubliable ! Voilà son troisième but personnel du match. De quoi récupérer le ballon, le faire signer par ses coéquipiers et le garder dans ce petit musée personnel, c'est parfait. Quelle démonstration, le score est maintenant de 6 buts à 0. Et ce ballon est finalement intercepté. Ouais, c'est une transmission interceptée. Et l'action se poursuit dans le camp adverse. Finalement, c'est sans danger pour le gardien. Et la passe est complètement ratée. Vers la surface, le centre part bien, c'est bien joué. Ouais, bien fait, bon pressing pour récupérer haut le ballon. Et ballon renvoyé, l'action continue. Oh oui, c'est au fond, bien suivi. Le ballon était mal repoussé face à un tel réalisme. Évidemment, ça fait but. Et c'est un score sans appel avec ce nouveau but. Un bon travail sur l'aile pour bouger le bloc adverse. Et non, ça ne passe pas. Le ballon est renvoyé. Ah, il y a une contre-attaque à exploiter maintenant. Oui, c'est bien anticipé. La passe est coupée. Vélé.
Et oui, elle est bonne cette passe. Oui, le ballon est intercepté. Ouais, c'est un pressing efficace. Ah, il y a de l'espace pour la tenter. Et la bonne parade du gardien. Et voilà, c'est un changement donc. C'est bien parti pour ce corner. Aucun danger sur cette tête. Elle est très facilement captée. Aucun problème. On le voit dans ses stats. C'est l'ABC du football. Des bonnes opportunités créées et des buts, tout simplement. Et regardez, pourquoi pas alourdir encore la note avec cette séquence. Ouais, bien fait, la bonne récupération. Le dernier quart d'heure maintenant de la rencontre. C'est une bonne progression dans le camp adverse. Ballon capté sans problème. Ballon facile à capter, sans aucun danger. Pelé. Ouais, ça joue maintenant dans un couloir. Et pénalty, faute dans la surface de réparation. Et non, pas de carton sur cette action. Et non, pas de carton. Et pourquoi vouloir toujours sanctionner ? Le pénalty, c'est déjà une sanction très dure. Ouais, le pénalty est transformé. Beaucoup de confiance sur cette tentative. Hey.
Had to dip out and into my zone. Listen closely, what's that sound? Rising up from the underground. The heads ain't lost, but it ain't been found. Ain't in the habit of sticking around. Ain't in the habit of sticking around. Stuck in the middle. I have been pushed and I've been pulled. There is no fooling me no more, no way. I have been pushed and I've been pulled. You have no say no more. I walk these lands with open mind and eyes. I find the more conclusions, the more I just feel confined. No more wasting time on your negative vibes, trying to stay aligned. I'm trying to stay aligned. Closely, what's that sound? Rising up from the underground. The heads ain't lost, but it ain't been found. Ain't in the habit of sticking around. Très bien. Eh, te fatigue pas trop?
C'est un très gros match qui se prépare. Tout le monde en parle depuis plusieurs jours. On se retrouve tout de suite pour le coup d'envoi du match. Bonjour à tous, les conditions de jeu idéales sur la pelouse et même en dehors. Donc pour assister à un magnifique spectacle dans quelques secondes. C'est le coup d'envoi. Benjamin Da Silva et donc Omar Da Fonseca dans la cabine de commentateur pour vous faire vivre ce match. Et donc, dans quelques instants, le coup d'envoi de ce match et de cette saison pour ces deux équipes. C'est un moment très important et on sent l'ambiance monter peu à peu dans le stade. Une très belle fête se prépare. Il y a une atmosphère de rentrée des classes aujourd'hui. Premier match officiel de la saison pour les deux équipes. Et bien sûr, la victoire serait le meilleur moyen de se mettre dans une bonne dynamique. Joseph Lopi. Ah oui, excellent ballon. Et ça passe. Déjà le premier but du match. Le spectacle est lancé. Ça commence fort. Quel bombasse il vient de nous mettre. Ça va tellement vite que personne ne peut intervenir ou s'interposer. Et avec cette ouverture du score, le match se débloque. Aldo Kaloulou. Alors il y a plusieurs options disponibles maintenant. Eh, bon ballon là, donné dans l'espace. Attention à cette frappe. La belle reprise de volée, ça frôle le montant. Dans l'ensemble, le geste était plutôt bien réalisé. Dommage. Doumbia. Endur. Joseph Lopi. Et ballon récupéré sur cette action. Johan. Avec une bonne protection dans le camp adverse. Ballon arrêté, mano tasso. Incroyable le sauvetage. Parce que la tête était très bien placée. Mais le gardien est allé la chercher. Ouais, c'est un corner bien joué, bien frappé. Oh, le sauvetage sur sa ligne. Et il prend le dessus sur l'adversaire. Ouais, bien joué, bien défendu dans la surface. Oui, c'est bien fait, c'est bien joué. Oui, c'est bien fait. Et c'est le but. Le deuxième aujourd'hui, avec calme, avec lucidité. Très belle performance individuelle. La preuve avec ce doublé. C'est le but typique du renard de surface. C'est lui qui est toujours bien placé et qui ne met jamais, ou très rarement, de but dehors de la surface. Et avec ce but inscrit, ça fait maintenant 2-0. Le ballon finit dans leurs pieds. Ah, une frappe pour conclure peut-être. Et le gardien s'illustre bien. C'est bien parti pour ce corner. Un dégagement raté sur ce centre. Le danger est toujours présent. Aïe, 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 l'idée était bonne. Le tir en finesse, mais ça manque d'application. Même en essayant de la placer, ça manquait de justesse, des directions surtout. Facebook.
Et voilà une bonne récupération là. Ah, du mouvement pour exploiter ce ballon. Oh oui, le voilà le but pour assommer le match. 3 longueurs d'avance maintenant. Ah, le score s'aggrave un peu plus. 3-0 donc. Johan Sidibé. Le ballon circule bien, bonne séquence. Une grosse opportunité, attention. Oh là là, grosse occasion manquée sur ce ballon en profondeur. Aucune difficulté pour le gardien, il y avait vraiment mieux à faire quand même. Weisbeck. Ah, le ballon est mal donné et c'est perdu. Et l'attaque se poursuit. C'est une bonne séquence de jeu. Oui, la parade. Kabouni. Le gardien s'interpose sans grande difficulté. Il prend sa chance. Ouais, c'est contré. Bonne défense. Ah là là, la mauvaise passe. Oh, c'est un bon ballon ça. Ah, il y a encore danger. Oui, bien fait de la part du gardien. C'est joué court. Ben oui, le tir. Ah, c'est un bon pressing qui permet de récupérer. Avantage, ça joue, c'est bien arbitré. Ah, il faut bien négocier ce ballon. Oh oui, la frappe. Oui, joli réflexe. En deux temps. Et ce crochet pour revenir dans l'axe. Pas facile du tout, mais c'est parfaitement exécuté. Ah, le score est donc de 4-0. Johan. Et voilà une bonne intervention, ça sort en touche. Oui, bien joué. Bonne intervention défensive. Oui, c'est récupéré, ça. Et l'action continue. C'est une bonne séquence. Le crochet intérieur. Il va aller provoquer dans l'axe. Et voilà, directement dans les mains du gardien. Le ballon leur échappe. Et on nous dit à l'instant qu'un but a été marqué sur notre pelouse apparemment. Oui, c'est le premier but en faveur de Saint-Étienne. 1-0 donc, alors que la rencontre a débuté il y a 32 minutes exactement. Très bien, merci pour l'info. Très bonne intervention. Et il y a un contre à jouer maintenant. Et la défense peine à revenir. Et le contre était intéressant, mais mal négocié. Ballon récupéré par la défense. C'est un ballon parfaitement maîtrisé.
Mauricio. Aldo Kalulu. Ouais, ballon récupéré, c'est bien défendu. Ah, l'équipe peut jouer le contre. Ah, il faut redescendre, là il faut s'activer. Ah, une bonne contre-attaque qui aurait mérité un bien meilleur sort, c'est vraiment dommage. Aldo Kalulu. Ouais, il prend le meilleur là sur l'adversaire. Interception décisive dans la surface. Oui, voilà, c'est une bonne percée. Magnifique intervention défensive. Le ballon en corner. Et c'est donc une petite combinaison. Allez, c'est bien défendu. Le ballon est récupéré. Corner, de nouveau. L'équipe tente une combinaison. Ah, le crochet, il replonge vers l'intérieur. Ouais, très bien défendu. Et une passe lobée pour créer le danger. Bien parti dans le dos. Et c'est au fond le triplé. Exceptionnel. Quelle grande classe. Quel talent. Et oui, regardez le ballon qui passe par-dessus l'adversaire direct, c'est bien vu. Bon, le but ce n'est pas le plus difficile à mettre, mais il vient conclure un bon mouvement. Quelle première période impressionnante de leur part. C'est un festival de buts qu'on n'attendait pas aussi vite. C'est un vrai récital offensif. Mauricio. Et ballon récupéré sur cette action. Excellente intervention, ça sort en touche. Et voilà un ballon littéralement rendu à l'adversaire. Sorti en touche. Ah, c'est une mauvaise passe sur l'adversaire. Deux minutes additionnelles minimum. Aldo Kalulu. Et c'est vers Doumbia. Et il remporte son duel, bien défendu. Et on s'arrêtera donc là-dessus. C'est la mi-temps de ce match. Le coup de sifflet pour la seconde période. Voyons si la deuxième mi-temps sera plus équilibrée que la première. Eh oui, c'est bien défendu. Johan. Ah là là, la mauvaise passe. Ah, une bonne contre-attaque peut-être. Ah, le ballon intéressant. Oh, attention à ce ballon. Goal ! Et encore un but dans ce match hallucinant. C'est plus une défaite, c'est une déroute. On le revoit ce but, mais quand en plus de la puissance de la frappe, vous arrivez à ajouter la précision et la justesse,
C'est une action absolument à part. Et avec ce nouveau but, ça fait 6-0, score sans appel. Alors, on me signale un but dans un autre match. On va aller aux nouvelles afin d'en savoir un petit peu plus. Et oui, avec le deuxième but pour Saint-Étienne. Donc, deux buts à rien pour l'instant. Tandis qu'on joue la 50e minute de jeu. Ok, merci à vous et surtout, n'hésitez pas à intervenir. Séquence de possession en attendant, en cherchant la brèche. Mauricio. Ah, c'était un peu le feuilleton du moment, mais c'est fait maintenant. Le transfert est acté. C'est un phénomène. Et on parlait depuis un moment de son transfert. C'est fait et maintenant il va falloir confirmer les attentes et les investissements. Reisbeck. Ah, le ballon est rendu. Et c'est un ballon qui pourrait être vraiment intéressant. Et du mouvement pour aller porter le danger. Ouais, la parade. Ouais, bien frappé ce corner. Et pas vraiment de danger sur cette tête. Et pour le gardien, c'est Noël anticipé. Cadeau. Et une courte interruption, juste pour vous informer qu'un but a été marqué sur une autre pelouse apparemment. Oui, deuxième but à l'instant. Pour quand ? Un but qui est l'œuvre d'Alexandre Mendy sur une reprise de volée parfaitement réalisée. On en est donc à 2-1 après 56 minutes de jeu. Merci et tenez-nous au courant de la situation. Il élimine son adversaire. Ah oui, l'excellent ballon. Oh, le face-à-face perdu. La frappe puissante, ce n'était pas la meilleure option. C'était trop risqué de passer en force. Sidibé.